Les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité sans amendement, à travers le rapport de la commission aménagement et affaires domaniales, les délibérations dénommant le rond-point Nelson Mandela en rond-point place du centenaire et celle dénommant le rond-point dit Ilama en rond-point Nelson Mandela. Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers départementaux et municipaux ont suivi tour à tour la communication de la directrice départementale des soins et services de santé et celle du commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire. Son exposé a porté sur le projet de création d'un détachement d'intervention et d'appui de la gendarmerie aux services municipaux de Pointe-Noire. Le dit projet concerne la mise en place d'un détachement d'intervention et d'appui à l'action municipale qui sera l'expression d'une volonté réelle de rectifier un état de fait résultant de la difficulté d'appliquer les délibérations et autres décisions de l'autorité municipale. Pendant la session, le 7 octobre 2021, une visite guidée a été organisée. Elle a permis aux conseillers départementaux et municipaux de se rendre compte de l'état d'avancement et de la qualité des travaux des chantiers entrepris dans la ville.